On va mettre au maximum. Tu vois, là, déjà, là, l'eau. Ça se lâche un petit peu. Pour pas que ça éclabousse. Fait que plus la température, c'est pas important. Là. Ils vont te demander là, si tu chaud ou froid. Vas-y, comme toi, tu fais pas mal aux mains. Là. Puis, t'as pas besoin de mettre des savons. C'est une encre à l'eau, là, ça passe bien. Bon, tu vois, moi, c'est facile à nettoyer parce que. Parce que il y a juste de la peinture qui est allée là, mais quand il n'y a aucun bouche-port, il y en a partout de la peinture. Ça, ça prend plus de temps. Après, tu laves un côté. Tu vois, là, ton évier, il est fait juste. Fait que, c'est vrai. Ouais. Là, tu passes de l'autre côté, la peinture est passée de l'autre côté aussi. Tu laves. Fait qu'eux, ils vont faire ça, là. Ça peut leur prendre un bon 10 minutes laver une soie. Parce qu'ils vont revenir de l'autre côté, ils vont relaver. Okay? Moi, ce que je fais, je les laissais. Quand on n'a pas beaucoup, tu leur dis juste comme les laisser comme ça. Ils vont sécher, ça va couler. Okay. Ben, je conseille d'enlever tout ça. Parce que là, tout va tomber. Ouais. Il ne faut pas qu'ils soient paresseux sur le lavage de la spatule parce que s'il y a de la peinture qui reste comme ça, là, la durée de vie va être un peu moins longue, mettons. Là. C'est pas un big deal, là, mais c'est parce que. C'est... Ben si, quand même. On prend soin de son matériel. Ben ceux-là, ils ont 10 ans. Là. Je sais pas pourquoi j'étais assez folle pour faire ça ma première année d'entraînement.